Tendez, pas de suivi judiciaire dans dossier 3 conseillers présidentiels. C'est tandem tande yo di, puisque nèg yo se président yo, yo gen bénédiction Leslie Voltaire, yo gen bénédiction Seyi de l'autre moun ap dan conseil la, pa aucun suivi kap pran kout yo, ou pa aucun sanction pral pran kout yo. Al kwèl non, zanmi internaut, maman petite marerin, dossier a pour l'autre phase, et phase dossier après là, c'est exactement parti ça que tout moun tap tan nan, an tande sa zanmi internaut. Lionel Bougoui qui se commissaire gouvernement Port-au-Prince. Monsieur recevoir dossier, rapport ULCCA, rapport à nommer monsieur. Et monsieur dit, après le film, analyser minutieusement le rapport de l'ULCC. Monsieur prend le temps de lire ensemble, il garde le rapport, il lit le rapport plusieurs fois. Et monsieur dit, il n'y a pas aucune faille dans le rapport. Monsieur dit, dans tout ça, rapport a révélé. Il y a un paquet d'évidence là-dedans. Monsieur dit joue une vérité là-dedans. Monsieur estime rapport à correct. Et quand m'a parlé voilà, monsieur est transféré dossier ça dans cabinet d'instruction et dans jour qui vient là yo, le doyen du tribunal de Port-au-Prince. Le doyen du tribunal de première instance Bernard Saint-Ville, monsieur prend la décision, monsieur prend le remettre au juge dossier à. Et c'est le ça. Nous prenons le temps de rel, Kaima Korel. Et c'est le ça, situation prenons terrible. Et c'est le ça, zami internaute. Nous prenons le connaître qui s'est passé. Nous prenons le connaître qui moque tout l'empereur. Nous sommes connectés ensemble avec nos amis internautes. Nous prenons le pot de détail au bas ou là. Ou prenons le connaître qui s'est passé. Ou prenons le connaître qui là. Divers policiers en dans unité SWAT déjà quitté PIA. Monsieur quitté PIA en direction de Cuba. Et nous prenons le bon détail. Nous prenons le dire pour qui raison. Policiers ça eux-mêmes yo quitté pays a quitté nous dit ou Gary Koni monsieur nan tourné l'affaire monsieur passé Émirats Arabes Unis actuellement là monsieur trouvé au pays monsieur trouvé au Kenya côté monsieur li déjà parlé ensemble avec William Ruto monsieur discute avec plusieurs autres monde et yo fait connait il y a 600 nouveaux policiers kenyans qui t'a de fou les soldats Jean-Jacques Dessalines nan jou k'ap vinn la yo rete connecté ensemble avec nous amis internautes ou pral konn détail yo là oui. Ou pas le connaître exactement qui s'est passé. Qui t'a nous dit où plusieurs citoyens haïtiens ont planté piquet devant l'ambassade dominicaine qui trouvait à Pétionville pour continuer à dénoncer la situation qui est là, pour dénoncer mauvais traitement autorité dominicaine à bay haïtien côté, il a rapatrié une quantité haïtienne. Et qui t'a nous dit où selon information, c'est environ 11 000 haïtiens déjà déportés, lagués dans le pays. Donc, restez connectés ensemble avec nos amis internautes. Nous prenons pour détail au bas où plusieurs autres organisations doivent monter pour défenseur plus. Il y a plusieurs autres entités qui parlaient de dossier, qui exprimaient chagrin au mécontentement, qui exprimaient indignation, ras-le-bol, yo gagné pour les autorités dominicaines, yo a traité ressortissants haïtiens, yo. Restez connectés ensemble avec nos amis internautes. Nous prenons pour détail au bas où là. En image, nous pral fò wè sa k ap pase. En image, nous pral fò konnen exactement comment situation yè. Contrairement à l'information qui a circulé qui fait quoi, l'État haïtien a acheté hôtel hôtel Le Plaza. Et mes responsables hôtel Le Plaza ont dit pas gen bagay kon sa pièce, Le Plaza pas à vendre et toutes sortes de k ap di yo, mais c'est des tractations qui a fait, mais pas aucune démarche qui entreprendre, pas aucune négociation avec l'État, l'hôtel Le Plaza pas à vendre selon responsable que m pral bon possibilité en deux émission ça pour tendre et pour capable ou même sortir avec conclusion pa ou. Qui t'a nous dit aux amis internautes, son situation extrêmement difficile qui gen là en Haïti. Et en deux conseils présidentiels là, bagala continue red. Conseil présidentiel là, nous songe qui gen un scandale en tête li là côté n'a parlé à mes amis internautes, nous dit bagay yo changer phase. Leslie Voltaire qui c'est président conseil actuellement là, monsieur a montré muscle. Nèg toal là côté m'a parlé voilà, monsieur veut montrer tout le monde, c'est lui le président, c'est lui le boss, c'est le nouveau patron. Il peut convoquer. Il peut révoquer également parce que c'est lui le président. Nous sommes rappelés tout le monde, mais qui salvo, mais qui sale café comme étant président. Est-ce qu'on quitte like pour là déjà? Comment nous sommes contentés la caille? Nous savons qu'un pile plaisir, nous allons parler. Nous allons pour l'actualité à bas ou en deux dans la caillou. Quel que soit côté, nous allons plaisir, nous pour nous porter information bas ou, comme de façon coutumière. Je dis à ce samedi, bonjour, bonsoir tout le monde, bon week-end tout le monde, content.
pour nous capables, encore une fois, continuer avec aventure nous, qui s'est fait émission ça de temps à autre, pour nous capables d'informer, porter actualité à Baou, et nous saluer toutes fanatiques, toutes amies, qui toujours restent fidèles ensemble avec nous, qui va jamais rater un moment pour nous capables de brancher émission ça, et nous prendre plaisir, hein, pour nous partager ensemble avec vous. Nous dit, dossier BNC a changé phase. Et de s'y arriver exactement dans la phase nous tout tapent. Parce que il y a des gens qui te disent, particulièrement moi-même, et jusqu'à présent, je me suis dit que sous samedi, je ne regrette pas samedi. Il y a des gens, même avec Esdras Fizeme, qui croient que le dossier scandale de corruption BNC n'est pas aller plus loin. Et je me toujours dit que c'est un manque pour que, après un scandale qui a fini de passer, j'ai fini de faire. Moun ki nan piro niveau dans l'état, des moun kap jwi des fonctions présidentielles qui charge avantage nan mais comme étant président pays a, et puis pour ouais on scandale pour ça t'a passé, et puis après ça pour nous ta casser feuille couvrir ça. Donc on te dit qui exemple nous pral bay, on te dit qui route nous pral tracer pour l'autre moun kap vinn nan yo pour nous empêcher yo volor. Parce que nous go coutume en Haïti, nous go pratique en Haïti. La pratique le veut, pratique la mandé à ce que le monde ou dans l'état, hein, ou toujours protégé, ou protégé par le sang de Jésus, et ou protégé également par tout l'autre volant qui est ensemble avec ou l'esprit du grand corps. Vous comprenez? Eh bien, trois conseillers présidentiels qui nous ont cité dans le scandale de corruption, nous t'es pensé au tabac écarté dans le conseil présidentiel là, mais pas ça qui fait. Là nous maintenant tête nous pour écarter nèg c'est garder nous ouais au lieu yo écarter nèg yo dans tête conseil présidentiel là c'est garder nous ouais résolution sortie nèg yo style toujours été en dans conseil là et y a continuer jouer même avantage que était qu'on a joué avant nous étiquette qui côté dossier ça va aller mais qui t'a nous dit le parquetier le chef du parquet de Port-au-Prince le chef des poursuites n'a parlé de maître Bougouin Lionel Bougouin. Lionel Bougouin, monsieur, li saisi dossier. Rapport d'enquête du LCC qui épinglait trois conseillers présidentiels, yo, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin et puis Louis-Gérald Gilles. Chef parquet a saisi le dossier. Monsieur analyse le dossier. Monsieur lit, monsieur Gadel, regardez. Monsieur prend plusieurs jours avec le dossier. Nommé, l'a analysé, l'a gardé toute faille qui est dans le dossier. Après mettre lecture, après plusieurs lectures, après plusieurs calculs, après plusieurs analyses, monsieur fait, monsieur estime, mes amis internautes, et m'a cité dans nous, monsieur estime. Dossier a pas une faille là-dedans. Monsieur estimé, dossier a correct. Monsieur, ouais, une évidence. Monsieur dit non, ça l'a plié. Li estimé, conseiller présidentiel, yo coupable vrai. Et non, sans ça, monsieur est acheminé dossier. Monsieur voué dossier dans le cabinet de destruction côté ma parole voilà. Alguien sait? Dossier à côté ma parole voilà, li dans le cabinet de destruction. Donc, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince n'a parlé de maître Bernard Saint-Ville. Monsieur Pral gagne prérogatif comme étant l'administrateur du tribunal pour lui choisir, pour le désigner un juge. Et juge, monsieur désigné, c'est juge ça qui Pral gagne prérogatif. C'est juge ça, c'est juge instruction ça qui Pral passer l'ordre pour marrer coup crabe. Marrer au nakanson yo, marrer tous les trois ensemble nakanson yo. Rale kote pit, si son kolou gen nan men ou, si son ceinture gen nan men ou, mare toi malandri sa yo, et puis traîne yo devant la justice. Et l'autre la pral passe nan jou kap vin la yo. L'autre la pral bay nan jou kap vin la yo. Donc nan jou kap vin la yo, zami internaute, nous val gen possibilité pour n'assister trois volants sa yo, trois chat mi an sa yo, qui pral traîne devant la justice, qui pral expliquer. Qui pral dire la justice, mais ça le connaît. Qui pral dire la justice, mais pour qui raison? Mais de qui prévient, de qui manigance? Yo tap concocté complot ça, mais de qui manigance? Yo te a fait tentative pour yo te fait chanter le président du conseil administration de la BNC. Mais kounya là, an gade qui est juge d'instruction, vous au cas où mettre un dossier pareil.
qui juge instruction, qui a gagné courage, qui a capable de camper, qui a placé ou bien qui pral prononcer verdict là, qui pral dit al arrêter nèg sa yo traîné devant la justice. Et nèg sa yo pour sa yo fin, pour action nèg sa yo posé en dans pays a, li nécessaire et important les amis internautes pour nous ta faire marcher passer devant télévision pour nous après les mes volo yo. Non pour nous même qui plus grand, nous songe longtemps le monde gen lèpre. À des distances, faut qu'on s'agon cloche pour la sort des cloches là à des distances. Et puis pour la prêler bien loin, impur. Et puis moun qui dans secteur depuis autant de ça pour laguer pied yo parce que yo moun qui impur, li pa gen aucune possibilité pour que la faute ensemble avec ou. Vous comprenez? Un moun qui fait là, un moun qui te souffre lèpre, qui te attrapé la lèpre. Et ben moun ça ou pas ta doué rester près. Ou pas ta doué rete pre moun sa, ou moun ko sa, la vini à des distances ou même se jete pou jete ou. Eh ben ouais, yo ta de ma on cloche nan kou chak nèg sa yo. Ma on sak nan kou yo même, pou nèg ap mache, sou tout porte presan la, pou y apre le volo. Pou y ap di, oui m volon quantité l'argent pou l'état, mais ça me fait, mande l'état pardon, mande jeune yo pardon, mande pays a pardon pou n'pa jem refè sa encore. So bagay kon sa yo ki ta doué fèt. Soit que ce consacre produit, les amis internautes. Vous comprenez? De sorte que, pour que vous exemple qui trace, parce que dès que vous avez tendance, après vous finissez piller, vous finissez manger tout si vous sous l'état, tout ça l'état gagné, vous finissez manger tout. Et après ça, il y a ce dégobillé dans la figure du peuple là. Pendant que le peuple là lui-même, on vit à un sol, va qu'à manger. Son façon pour me faire comprendre, son façon pour me dire aux amis internautes, situation qui est là, c'est pas une situation qui est facile du tout, hein. Donc, nèg sa yo, yo gen pouvoir répondre une question et yo doit passer. Yo doit passer devant la justice. Et moi j'attends les suites. Parce que tellement gros tendance en Haïti, nous go pratique l'enquête se poursuit. Depuis ces grands nèg qui font bagaille, l'enquête se poursuit, mais depuis son malheureux, nous prend code nous passer dans coule. Nous fait le passer devant télévision, nous fait le passer dans la police pour tout le monde met si vagabond. Moi le qui traitement, yo va le bay trois gros malandres ça yo, trois gros chats ça yo. Et c'est ça qui fait même quoi Edgar Leblanc qui raison, lui elle dit lui-même, li pas cabreté parmi moun ça yo, li pas carreté parmi malandres ça yo, li doit laguer pied. Nèg ça yo pas digne vraiment pour t'arrêter dans tête pays a. Et Leslie Voltaire qui a couré nèg yo, Leslie Voltaire commence à frapper. Leslie Voltaire commence ou bien à poser une série de actions tête en bas là. N'a bien envie de nous parce que ou connaît je dis c'est weekend m'a kembe ou non prochaine émission m'a bien pour mindou qui qualité des gars on est temps que Leslie Voltaire commence poser côté m'a pas la voilà gogoze Gary Conny dehors comme ça bien sûr Gary Conny dehors et Gary Conny dehors depuis quelques jours monsieur pas gain 2 semaines dehors là. Gary Conny, je suis allé rencontrer, je suis allé Mirab Arab Zuni, là le checké blendé, là le checké matériel. Et quand m'a parlé avec Gary Conny, je suis au Kenya, là entretenu ensemble avec le président Ruto. Ce que j'arrive pas à comprendre, qui le William Ruto est venu en Haïti? Qui le Gary Conny a eu la possibilité d'être entretenu avec William Ruto à Washington ou bien à New York? Mais qui ça qui explique aujourd'hui là? Gary Conny oblige à effectuer un voyage encore une fois au Kenya pour la chita avec William Ruto. Ma comprenne démarche ça. En tout dernièrement là, William Ruto rentre en Haïti pendant le temps participé dans le 79e sommet Nations Unies là. Monsieur Vini en Haïti, la chita avec Edgar Leblanc. Et pendant Monsieur New York, Gary Conny était New York également. Yo chita ensemble, yo parle. Et puis, qu'on a qui expliquait, qui exigence, qui urgence qui t'a gagné pour Gary Conny t'es obligé de quitter le pays, à aller au Kenya. Nous tous connaissons au frais de la République. Nous sommes parlé ensemble avec Ruto, grand pile cause qui dit, et selon information, yo, il est bruit que gagné 600 autres policiers kenyans, yo, qui t'a dû arriver là en Haïti. Bon, dans semaine qu'a vu là, ou bien dans mois qu'a vu là, bon, il y a bon parole d'ailleurs. Nèg yo te dit, nous, c'est pour janvier 2025, tout reste policiers kenyans, yo, a bien pour déployer là dans le pays, ya. Et selon information qu'a circulé, William Ruto fait Gary Conny connaît, moyen yo gen nan meyo la, l'ap seulement capable briver pour le mois de mars. Moyen yo gen la pour gérer force multinationale la.
Pas oublier dans environ 50-20 pays qui mob Nations Unies, c'est 6 pays seulement qui contribuent qui ba Haïti bourade. Dans affaire force multinationale ouais qui là 6 pays seulement. Ou d'accord sur ça, 6 pays. Et ces mêmes pays sont capables de consterner hein, par situation pays d'Haïti. Ils ont là pour produire du rapport, ils ont là pour aller sur le podium Nations Unies, pour expliquer, pour dire bagala babou, etc. Pendant ce temps, on tibourade nous mande yo, nous va kajouen ni. Et c'est là pour nous comprendre que c'est nous pour démêler, nous pour mettre Jean-Jacques, c'est nous pour mettre green nan derrière nous, pour nous prendre contrôle du pays. Vous comprenez? C'est nous-mêmes. États-Unis pas fond pour nous, Congo pas fond pour nous, Nations Unies pas fond pour nous. C'est nous-mêmes qui pour démêler, nous pour mettre Jean-Jacques, pour nous tracer propre nous, pour nous gérer ça, pour nous gérer, et puis pour nous grand monde la caille nous. Plusieurs policiers haïtiens, ils ont déplacé à Cuba, plusieurs policiers soit, ils ont dit, eh, policiers ça est malade, policiers sont malades, eh bien, monsieur ont déplacé, et c'est sous une requête que le gouvernement est obligé de répondre, policiers ça ont déplacé, parce que, après exemple qui finit par ces policiers soit là, quand ils ont mouru, eh, faute de soins, eh bien, gouvernement pas prend chance papa, policiers ont produit une requête là, eh bien, rapide, rapide, gouvernement lui répond. Donc, plusieurs policiers, ils ont pris direction pays Cuba, puis ils prennent soin. Quand ils ont nécessité, c'est pas balle, ils prennent, mais ils disent c'est l'autre maladie, policiers ça ont gagné, c'est des policiers soit. Donc, actuellement là, amis internautes, policiers ça ont même, ils ont trouvé dans le pays Fidel Castro. Malgré le mourir, c'est monsieur qui papa pays ça, oui. Fidel Castro, papa. Et monsieur papa pays, oui, malgré le mourir, ou bataille Fidel Castro te mené, monsieur était une légende. Même je n'ai pas cité le nom de Jean-Jacques Dessalines, mais Fidel Castro, c'est ça, monsieur yé, pour peuple cubain. Son sauveur, monsieur yé, pour peuple cubain, amis internautes, donc policier ça, ou même, yo trouvé yo actuellement là, dans le pays Cuba. Et, dans ce qui a passé en République Dominicaine, dans la situation qui est là, à côté, il y a une grosse tension, il y a déporté des Haïtiens qui te nous dit que c'est plus passé 11 000 Haïtiens qui étaient déportés. Et dans la quantité, c'est 10 000 Haïtiens chaque semaine pour être capable de arriver à déporter 500 000 Haïtiens. C'est ça l'objectif. L'objectif là, c'est pour retirer 500 000 Haïtiens qui vivent en République Dominicaine actuellement là. OK? 500 000. Donc, dans ce sens, amis internautes, nous mandé hein et gon ensemble d'organisations qui t'al planté piquet yo devant ambassade américaine pour yo mandé pi bon traitement pour haïtien yo et yo mandé pour dominique camper sous vague déportation yo a et yo mandé autorité yo tout pour prendre des mesures drastiques parmi yo fermer ambassade dominicaine qui trouvait dans Pétionville actuellement là. Nous invitons à suivre comment ça t'y est job nous pas plus de job pour nous couper yo politicien pays pas y chercher photoer pas y chercher pas y chercher Parce que aucun monde qui ne sait pas même qu'à victime. Nous pas d'accord avec le ambassade là. Si nous pas d'accord avec l'ambassade là, nous la force de faire ce domaine. La police, 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 C'est l'homme qui nous passe, oui, pour suivre nous, pour détruire nous, pour ça, pour tuer, pour tout ça, oui.
Passez le faire, monsieur. Voilà, amis internautes, où t'as suivi réaction et Mounsao qui trouvait c'est une insulte, hein, c'est un dérespect même et situation y a subi là en bas mais et dominicain chaque jour. Il y a plusieurs organisations même tout qui plaignent de même comportement ça. Plusieurs organisations défense et cap défendre droit moun en Haïti gagnent défenseur plus qui parlait de dossier à tout. Côté yo fait qu'on est, c'est autorité haïtienne qui pour démêler yo pour permettre à ce que population lui-même li capable et jouer respect un peu partout à travers le monde et yo senti yo indigné par rapport avec traitement République Dominicaine à bay haïtien ça yo nous invite au suivre intervention. Nous même collectif défenseur plus, nous prenons la presse jeudi dans quatre conférences ça, c'est pour nous montrer préoccupation nous, indignation nous sur situation haïtienne en République Dominicaine. Gens que nous connaissons déjà, depuis le 2 octobre, le gouvernement dominicain a annoncé que l'Ibra expulsé Haïtiens qui sont pas payés ou qui pas corrects sur le territoire, côté visé une quantité de 10 000. Et dans une semaine, nous répertorions environ 11 000 Haïtiens qui expulsés dans différents points frontaliers dans le pays. L'expulsion a été faite avec violence, côté a touché toutes catégories, spécialement femmes enceintes, Simonio et il y a des cas d'arrestation arbitraire, il y a des cas d'assassinat. Nous répétons ensemble de situations qui dégradent, ensemble de traitements qui cruels envers haïtiens qui en République Dominicaine. Et situation ça est contraire avec ça la loi convention internationale qui fait sur droit monde, spécialement droit femme, droit Simon et l'État haïtien. Et l'État dominicain a signé un pacte qui est relatif avec droit civil et politique qui implique tout le monde. L'État dominicain a dérespecté, il n'a pas pris en compte la loi Sahara dans le cadre d'expulsion Sahara. De ce fait, nous-mêmes, dans le collectif Défenseur Plus, qui est intéressé par le droit monde, spécialement le droit femme, spécialement le droit migrant, nous n'avons pas arrêté les bras croisés, nous n'avons pas fermé les genoux sur la situation Sahara. Et nous dit qu'il est important pour nous dénoncer et puis pour nous alerter l'État haïtien sur la situation grave ça, pour ne pas arrêter inactif, pour ne pas seulement faire une note de presse, pour ne pas seulement faire un tweet, mais c'est pour lui agir, presser et puis porter des résultats qui concrets capables d'améliorer le sort haïtien qui est la République Dominicaine. Voilà, amis internautes, vous avez des responsables défenseurs plus sûrs qui ont dénoncé la situation qui est là à côté que. Dominique eux-mêmes, ils continuent à déporter Haïti. Il y a plusieurs autres organisations qui parlent. Pasteur Maxo, hein, Maxo Joseph, lui-même tout. Et il parle dans le dossier ça. Écoute, Maxo. Donc, nous, là, pour nous dire premièrement, ça qui a passé pour nous, il m'a dit pour nous très solidaire entre nous. C'est dans un moment qui est plus difficile, là, ils ont peur d'apprendre à vivre ensemble. C'est dans un moment difficile, ils ont peur d'apprendre à organiser. C'est un moment difficile, ils ont peur de réveiller dans le sommeil qui est. J'en suis fait en 1920. Les Juifs étaient dans pile difficulté. Ils n'étaient même pas de place yo, aucun côté dans le monde. Il y a 100 000 là-dedans qui devaient tourner sur le territoire palestinien pour vivre. Les salles d'après apprendre pour la première fois comment organiser un sens de solidarité, tête ensemble, pour être capable de vivre. Tant pour toute nation et tout peuple. Mais ça, Grande-Bretagne est obligée d'organiser, les États-Unis sont obligés d'organiser, les amis sont obligés d'organiser pour porter coup de main au niveau de solidarité. Et c'est comme ça que la nation aujourd'hui. Nous sommes peuple aujourd'hui, et même gens, nous sommes dans un moment très difficile. Côté nous, les citoyens, nous tout partout, dans le monde, qui besoin pour gagner un support dans nous-mêmes encore. Qui bon côté ou bien qui loin. Donc, moi, quoi, moment à parler là, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous porter, si pour nous, ben, tout haïtien qui a entré sur le territoire qui a besoin de si pour nous. Ça, c'est au niveau interne. Ça veut dire, je voulais dire, secteur, tant pour protestants, tant pour catholiques, tant pour vaudouisants, tant pour organisations, société civile là, mais tant pour l'État, ou quelques institutions dans l'État qui ont responsabilité ça, tant pour l'IM. Donc, toutes les institutions, nous-mêmes, nous commençons à mettre nous disponibles pour que nous commençons à parler avec eux, dire que nous sommes disponibles comme ressources humaines,
nous là dans idée nous et nous là tout pour nous dire comment nous penser nous capable mener combat par nous tout pour ensemble nous sortir dans crise ça parce que son crise qui a pris un petit temps et nous besoin plus d'organiser nous à court terme à moyen terme et à long terme pour nous sortir. Donc voilà, amis internautes, donc c'est chaque monde beaucoup de pays qui a baille impression sur ça qui a passé là côté que des citoyens haïtiens yo pourchassé comme des bêtes sauvages traqués même hein en République dominicaine. Contrairement avec information qui fait quoi l'état haïtien acheté hôtel Le Plaza pour capable mettre palais de justice, et ben autorité hôtel yo même yo démenti information ça, yo dit pas au courant du tout de yon information pareille et yo mandé qui côté information ça sorti parce que yo même comme étant responsable, yo pas konn bagay comme ça. On suit intervention. En 1982, l'hôtel Le Plaza sera le premier hôtel en Haïti qui peut gagner franchise Holiday Inn. À l'époque, c'est un gros événement. Un coquin chien événement côté bon Holiday Inn en Haïti. Un hôtel de luxe qui gagne service standard international. Nous continuons à travailler avec Holiday Inn jusqu'à ce que nous arrivions en 90. 90, nous rappelons un bouleversement dans le pays, un bouleversement politique, un bouleversement social, fait que un pile investisseur commençait à bousculer, quitter le pays d'Haïti. Nous vivons dans l'année 94, côté retour à l'ordre, malgré ça, nous avons perdu Holiday Inn, qui était à l'époque une franchise internationale. Mais nous avons jam jusqu'à ce que nous arrivions en 98, côté l'hôtel Langal. Continue à avancer, lui ouvrir la première salle conférence qui était 300 personnes à l'époque, qui portait nom Madame Thérèse, qui est une des premières femmes en Haïti qui gourmet pour droit femme. Je ne veux dire, malheureusement, tout le monde connaît depuis un certain temps, bah, difficile. Nous, dans la même loi. Nous continuons à travailler, nous continuons à payer taxes, mais service. Clients ont diminué, Jean-Barré a passé la journée aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables de contredire ça l'État a dit? Non, nous n'avons pas le droit à ça. Est-ce que nous devons suivre la procédure? Oui, obligatoirement, nous devons suivre la procédure qui est établie. Cependant, ça nous a contredit, c'est que ce n'est pas un hôtel qui vend. Okay, leur déclarer un espace d'utilité publique à leur vendre un espace, c'est deux thèmes différents. Donc, en conséquence, nous voulons aller avec tout le monde. Et pendant le conseil juridique, nous avons travaillé avec le gouvernement haïtien, mais le service nous a toujours été disponible. Nous avons toujours une chambre disponible, employés nous sur place, restaurants nous disponibles, salle de conférence nous disponible. Donc, le service que nous avons habitué à prendre dans Le Plaza, le service ça, nous avons disponible et nous sommes toujours prêts pour nous bailler en conséquence. Ça m'est capable de signaler pour nous. Je crois que l'État de bonne foi dans sa gueule après, il connaît côté d'où il est allé. Et je suis sûr que l'État a analysé tous les paramètres pour que la décision la prenne et que la décision ça va aller réellement au bénéfice de la population haïtienne, une population qui est passée à souffrir et qui est humiliée tout côté que nous passons à travers le monde. Donc, nous ne pas voir haïtien bien. Et moi, je pense que, au-delà de tout ça, l'État a toujours joué le rôle de bon père de famille. Nous, c'est une institution qui croit dans la loi. Et c'est ça qui fait la loi. Nous toujours régulière dans la façon de payer les taxes, dans la façon de payer les redevances envers l'État. Maintenant, nous exigeons que toute procédure soit respectée. Et c'est là que nous avons une possibilité pour réellement nous faire valoir le droit. Nous. OK? Et ensuite, l'État nous demande pour que les comporter comme un bon père de famille. Avant tout, l'État a une responsabilité pour les protéger institutions dans le pays. Donc, il y a une responsabilité tout pour lui attirer investissement dans le pays. Donc moi, je comprends le dossier. C'est que c'est comme si son mémise l'État en vie fait sous tel Le Plaza. Et l'État, c'est pas acheter l'État, acheter Le Plaza, c'est plutôt l'État déclaré d'utilité publique. Mm-hmm. L'État déclaré d'utilité publique, donc bon, ce bail qui la justice, c'est-à-dire, pour qu'on gagne qui a qui, l'État pour qu'on gagne, et responsable tel yo tout même, il y a beaucoup vraiment gagné des bagages dans le de manière palpable.
et bon son situation difficile nous espérer et y a joine yon modus operandi dans situation ça nous campé là amis internautes nous content ensemble avec vous nous content présenter émission ça bon week-end tout le monde jodi c'est samedi est-ce que n'a bien rendez-vous pita bon radio bon connais seulement monsieur tout bon week-end si nous pas gain possibilité pour nous croiser et pita n'a croiser demain bye bye tout le monde. Rendez-vous et prochainement parce qu'on connaît déjà information par campé sur channel ça depuis là ou a des possibilités pour capable joindre tout ça qui a passé dans actualité. Merci parce que t'es resté branché, merci parce que t'es like, merci parce que t'es commenté et merci parce que ou t'es partagé pour nous ou t'es contribué pour que émission ça lui-même l'était possible. Bye bye tout le monde. Rendez-vous prochainement pour l'autre émission. Nous chapper.